Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opéra de la vidéo. Ça, et j'ai comme toujours dit, c'est toujours un plaisir pour moi pour venir partager ensemble avec vous tout ce qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner Kounia la même sous pour trouver ça et pas oublier d'activer la cloche notification pour capable recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous même qui peut faire ça Kounia la même parce que nous sommes intelligents ou pas vous perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. A victime mauvais traitement en République dominicaine, il a subi répression violente et systématique et contre migrants saillants, notamment femmes et petites filles. Et mon troisième élément pour nous contextualiser l'activité, ça, c'est que CEREM, qui travaille sur la question migration, l'a lancé très prochainement une campagne de promotion et de sensibilisation sous sa liberté une migration sûre, ordonnée et régulière dans le cadre d'un partenariat libéré avec OIM. Au regard des trois éléments de contexte, nous constatons depuis quelques jours qu'on recrudescence dans l'acte de violence anti-haïtien qu'a développé en République dominicaine. Intensification, violation, droits migrants, montée racisme, montée discrimination, montée xénophobie, anti-haïtianisme systémique et politique qui existe en République dominicaine, ban sentiment que bien tout qui ont velléité pour bien un retour des vieilles pratiques traditionnelles. Conservatrice pour alimenter la haine contre haïtienne. Face à une situation comme ça, CEREM avec partenaires estimé nécessaire pour poser des actions qui sont susceptibles de susciter une espèce de transformation par rapport à la réalité. Dans ce sens, nous poser quelques questions. Comment nous sommes capables de comprendre la dynamique de violence qui est orchestrée contre migrants haïtiens, femmes ou garçons, dans des moments historiques donnés. Comment violence a eux-mêmes affecté les relations haïtiano-dominicaines? Comment violence a affecté les femmes actives en particulier? Comment le système patriarcal dominicain participe à invisibiliser le processus d'invisibilisation des femmes migrantes? Comment les femmes migrantes eux-mêmes vivent mécanismes d'exclusion, discrimination, racisme dans le pays d'accueil qui est la République dominicaine. Évidemment, ce n'est pas moi-même qui conférencier, Mme Lespinas, dans l'expérience, dans la compétence, dans le savoir-faire, qui va aider nous et répondre à ensemble des questions. De l'autre côté, nous sommes capables de demander tout, comment nous sommes capables de penser. Enjeu migration sûre, ordonnée et régulière dans le cas Haïti à la République dominicaine. Comment nous sommes capables de réfléchir sur une dynamique migratoire qui respecte les droits humains sous les îles noires? Comment nous sommes capables d'agir pour transformer mauvaise perception liée à pratiques xénophobes, racistes et discriminatoires à l'égard de l'être haïtien de l'autre côté de la frontière? Et enfin, comment nous capables, en quelque sorte, faire plaidoyer pour gagner l'autre relation qui chita sur respect mutuel et respect tous les deux pays dans le processus pour avancer ensemble. Par rapport à cette question, ça, le professeur Pierre lui-même qui travaille pile sur cette question, nous espérons à l'aide d'une démarche rigoureusement construite d'un point de vue épistémologique, sociologique et anthropologique, voire pratique même, pour nous comprendre plus bien et puis bien interpréter phénomène. C'est dans ce souci ça, dans ce souci pour nous dynamiser et construire les saluer les bons voisinages, vivre ensemble et relations harmonieuses nécessaires pour l'évolution de pays sous ILEA, c'est le même proposé conférence ça qui va être faite dans le sous thème. Expulsion des migrants et migrantes haïtiennes de la République dominicaine et violence de genre,
quel enjeu pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Nous dit tout le monde déjà, encore une fois, merci et bonne participation. Madame Espinasse, c'est vous, à tout seigneur, tout honneur, qu'à vous voulez. Confiance. Et nous avons un applaudi pour les Espinasse. C'est un plaisir pour moi pour me lancer ensemble avec nous dans un espace universitaire, dans un jour spécial, 25 novembre, journée réflexion sur question violence basée sur le genre, qui sont violences qui affectent surtout les femmes. C'est un honneur pour moi pour nous mettre dans nous et me poser est-ce que moi, ouais, espace de réflexion yo a reprendre petit parce que son bagage et la dernière temps ça yo nous perdu et nous besoin type d'espace ça yo pour nous construire réflexion yo pour nous aller plus loin. Bien vrai son bagage a bon nous feedback oui. OK. Alors ça là nous devons compenser pour trois femmes. Emira Baglio, c'est un dictateur dans le pays République Dominicaine qui était tout lié. Vous voulez tout pour nous songer pendant un jour ça, en pile femme dans le pays d'Haïti, dans le dernier temps, ça a été victime de violence, peut-être ces femmes yo. Et spécialement femmes dans le quartier populaire, côté gang yo, a fait la loi. Va connaître si nous tendez quelques rapports d'organisation faire, organisation de l'homme, qui sont là où est dans, ils ont rentré dans le quartier, ils ont pillé, ils ont braché, ils ont coupé, braché. Mais quoi font-ils tout le territoire, la guerre? Donc là où ils ont tué, par exemple, nous, l'autre, ou adversaire, et bien, femmes, ils ont faire de l'autre type de actes sous lui. Donc, ils ont faire qu'à déjà, il y a des rapports qui parlent de viol collectif qui fait sous des femmes parce que mari était dans l'autre camp. De jeunes filles qui ne peuvent pas déménager en France si elles n'ont pas d'autorisation, ou chef de gang dans le quartier. Parce que si vous êtes là, ou bien avec un nègre qui pas dans la zone ou qui n'a pas participé dans le mouvement, ou son ennemi, et vous avez un ennemi dans la zone. Donc, pendant que nous avons des bails, il n'y a pas deux bails qui ont passé dans le propre pays, sous femmes, sous jeunes femmes dans le pays. Et je ne dis pas, nous avons songé. Et nous avons songé de manière à ce que pour nous tous, nous avons engagement pour nous battre contre toute forme de violence. Par rapport à la dernière vague d'expulsion, parce que nous avons dernière vague, parce que voyez pour nous tourner. Ça va respecter les droits. C'est chaque jour ça fait. Dans le jour ça va la vie plus grave. Et puis qui ça a relé un chat, ça veut dire que les gens à droite à gauche, il y a vraiment tout partout. C'est ça qui fait parler plus. Mais c'est un peu monde chaque jour, les pays dominicains a expulsé. Par exemple, quand est sorti un bulletin pour le mois d'octobre 2022, un seul mois, oui. 14 800 personnes. Parmi eux, 9 455 garçons, 3 781 femmes. Il y a 870 petits garçons, 675 petites filles. Et parmi mesdames, nous comptons combien de femmes c'est? Parmi 3 781 femmes, 266 femmes c'est. C'est des chiffres, et chiffres, ça a eu. Il n'y a pas exhaustif, ça veut dire qu'il y a plus toujours, ça veut dire que l'organisation doit nous pouvoir arriver en masse. Mais il y a un témoignage dans le rapport. Des femmes enceintes interviewées nous ont confié que les agents de la migration ne vont plus les chercher maintenant à l'hôpital. Cette fois-ci, elles nous réveillent chez nous, en pleine nuit. Pour ensuite nous placer en détention avant d'être expulsés à la frontière. Ça veut dire que dans le temps, ça a eu tout commence par les gens qui sont rentrés à l'hôpital, ils sont directement en dedans pendant la nuit
Les gens ont dormi, ils ont arrêté, et puis ils ont lagué dans un sac, on s'en a et là, côté là, ils ont ramassé, ils ont mis des mounions après ça pour ouvrir sur la frontière. Là. Mais quelques chiffres pour deux premières semaines novembre, 15 jours. 280 rapatriés, 280 femmes rapatriées. Pour seulement première moitié mois de novembre. Et pour sortir janvier, pour arriver mois d'octobre, d'après République Dominicaine, c'est 108 436 moun yo déjà lagué sous frontière là. Di moun pa ka di rapatrié parce que tout pa ici. Nous savons nous idée déjà de quantité moun y a voyé tout en Haïti et parmi yo quantité femmes tout. Parce que pourcentage femmes qui en dans expulsion ça yo très très important. Pour nous comprendre question et violence basée sur le genre dans moment expulsion ça yo, faut nous faire un rappel pour nous de rôle, mesdames, yo joué en dans société et particulièrement en République Dominicaine. Senti vraiment, yo perdu confiance dans tête, yo perdu confiance dans pays. Et type de expulsion ça yo augmenté, ça nous a dit la haine, méfiance entre moun dans deux pays qui t'a doué vivre ensemble. Je demande à regarder qui en jeu ça gagne. Enjeu important. Gagné et ça nous relève pas mondial sur la migration. C'était un document que après une conférence Nations Unies était fait au Maroc. En plus, pays était signé à Haïti, tout, mais la République Dominicaine n'est pas signé. Et un engagement tout pays qui était prêt, c'est protection migrants. Donc, tout bagaille doit être fait dans une perspective de respect des droits migrants. Et vous avez fait comme si un paquet. Il a fait migrant par son paquet de misère parce qu'il est en situation irrégulière. Ça nous besoin, c'est vraiment une collaboration entre pays pour que nous allions aller, pour nous capables de faire une migration qui est sûre, qui gagne plus l'autre là-dedans et qui fait de manière régulière. Pour jouer un service dans le pays, il y a un État avec des gens qui prennent tête d'État qui dit qu'il y a géré le pays, il y a un peuple. Donc, il faut que nous offrions des moyens pour nous vivre dans le pays, pour diminuer la quantité de gens qui sont obligés de partir à chercher la vie de l'autre côté, là-dedans, en République Dominicaine. Je dis, il faut nous revendiquer des droits pour nous vivre la caille. Deuxièmement, nous sommes nous conseillers de dirigeants pas jamais occupés de nous. Donc, il faut que nous-mêmes, tout, nous pensions, il faut nous ayons des dirigeants, ce n'est pas n'importe qui qui a vécu dans notre pays, il y a des gens qui prennent le problème du peuple en considération et leur des problèmes au côté, qui ne peuvent pas parler pour nous. Actuellement, il n'y a personne qui ne parle pour nous, même si ça va être fait en quelle voix. Donc, il faut que nous ayons des gens qui représentent nous vraiment. Après ça, moi, je pensais que la question de documentation, il faut qu'Haïti lui même porte une contribution pâle. La République Dominicaine, c'est un prétexte que les gens ne sont pas des papiers. Même si c'est un prétexte que parce que nous sommes sûrs que nous avons l'autre qui a réglé là, bail politique, etc. Mais en même temps, nous-mêmes, tout, nous ne pas nous. L'État haïtien va prendre des dispositions pour la population et documents. Nous avons toute misère pour nous passer, pour nous gagner de naissance, pour carte d'identité, un passeport, et mon programme PNRE. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont été pour faire un document de l'agent Bayou. Donc, question ça, il faut que vous régliez. Il faut gagner une dénonciation tout qui fait au niveau international, documenté, surtout par rapport à la femme, pour tout abus et violence qui fait sur vous, peut-être ces femmes. Et il faut que l'État haïtien collabore plus avec la société civile, là, renforcer la collaboration yo, pour que nous capables de porter plus de secours à les gens qui ont expulsé. Dernier, ça me pense qu'il nous est fait, nous ne pouvons pas que les gens fonctionnent, ou qu'on va même 4 ou 5 mois, mais par contre, ça a fait. Nous sommes en prison,
moun yo y'a battu y'a pour d'ailleurs nous va même tenter de rire même c'est moun qui jeune job à cause de la pointance politique yo pour y'a jouer l'autre voix donc faut que nous gagne des consulats qui jam avec des moun qui capable mettre les papiers qu'à l'embater qu'à côté ici au travail pour capable encadrer. C'est ça mon t'a dit comme défi et comme enjeu si nous voulons vraiment pour expulsion yo yo pas fait comme ça encore ou bien si bon monde qui a rapatrié yo fait dans l'ordre yo respecter et accord qui est signé qui dit faut que informer autorité haïtienne regarde autorité haïtienne de demander au faire des bail du mariage en fait et ensuite pour pas séparer famille yo pour tenir compte de situation mon là s'il a depuis longtemps pas arrivé voyer comme ça et surtout pour prendre en considération question famille et parce que yo gen des responsabilités particulières qui fait que ou pas capable non moment de rapatriement pour expulser au conseil et ensuite gen pas que tout monde y a expulsé tout c'est des monde qui fait plein de bois qui pas jamais gen un papier d'identité dominicaine donc faut gen une bataille qui fait au niveau international pour moun sa arriver gen l'état qui reconnaître et dans cas ça me penser c'est la République dominicaine ça c'est pas parce que grand parents dans nos pays pour pays ça décider la voyer tout monde ça yo ba Haïti ça relé à patrie Dieu que moi même moi pas vrai relé à patrie moi ça en créole ni pas les mêmes connotations là nous dit à patrie dans République dominicaine c'est pas nous descendant nous qui pas les papiers yo pas jamais voulez pas les papiers reconnaître comme dominicain. Mais là, on a dit lucide, c'est jouer, on a joué. Moun sa son bon apatride, yon pa vle wè peyi ya. Le moun sa otande sa, l'on boit sa fè yon mal. Donc, moi pense, mou sa tout, faut nous faire envie d'attention avec lui. Merci. Est-ce que nous t'assurons? Je veux dire, à la fois, femme dominicaine et femme haïtienne. Femme dominicaine, il y a des recherches qui fait. Femme dominicaine, car New York, car Puerto Rico, pour montrer comment similitude d'arrêt entre femmes haïtiennes qui ont même travaillé ces domaines, et surtout, c'est pour montrer comment il y a un générique dans la question genre et question race et classe, parce que femmes dominicaines, c'est des minorités de femmes caribéennes, africaines, pour arriver à New York, car nous connaissons africaines et tout. Alors que l'idéologie touriste a montré que c'est indio, india, etc., de clair oui. Et ensuite, nous avons pour nous toute question de rapport avec la réalité de femmes, migration de femmes, portées, et surtout de femmes. Et ouais, une perspective travail social, genre et migration internationale. Malgré nos présentes du bas, nous ne pouvons pas parler en pile, nous pouvons s'attendre avec des débats. Tout d'abord, on a dit que son frontière là, très problématique parce qu'elle va exister en plus fois, c'est vraiment imaginaire, dans la mesure où ce qu'on appelle frontière, il y a toute une intégration, une convivialité, dans la mesure où le monde actuel tend à se capitaliser, se globaliser, s'urbaniser, se virtualiser même. Hein. Et laisse ça tout périphérique traité en frange. Et une des premières bagages, il y a pour deux mondes, pour André Cotin, Marie-Georges Caron, faire recherche sur ça, pour montrer comment la République dominicaine, malgré qu'il a parlé de dominicalisation de la frontière, mais dominicalisation de la frontière, là, malgré qu'il a parlé de lui, migrants haïtiens, et surtout les migrants haïtiens, parce que les garçons ont autant d'esclaves en construction, dans une autre bagage lourd. Et Fambio, il était dans les côtes. Et dans toute périphérie frontalière, Mounio a travaillé. Il a travaillé sous deux portions de 3 hectares de terre. 3 hectares de terre en Haïti, moi-même, si je n'ai rien, je malheureusement, avait dit, en Haïti, Mounio puisse parler de 5 centièmes, 10 centièmes, 3 centièmes pour une série de plantations diversifiées. Mais 3 hectares, je dis mini-fondis, c'est vraiment un grand nom. Pour nous dire 3 hectares, nous avons fait arithmétique, nous avons combien de zéro, 1 hectare, etc., combien de zéro la France.
par exemple, pour les chiffres dans le tableau. Ok. Pour nous, depuis l'année 80, il y a à peu près 30% de migrants et migrants haïtiens qui ont des terres qui ne sont pas définies. Même si on est ici, mais on souligne, je ne sais pas si on met les sous-mêmes, mais après avoir dit, pendant ce temps, on a Dominicain, Dominicaine, qui a voyagé, qui a en Espagne, en Russie, à la Qatar, à tous côtés, à la Dominique, là-bas, tout parce que Dominique est voyagé en ville, à Porto Rico. Et ces gens sont qui travaillent, nous faisons va-et-vient pour son lieu de convivialité frontière là. Côté moi-même, je dois traverser la frontière là, prendre des papiers, les gens, c'est quand pour. Et là, quand il y a un café, il y a un bien, moi mal sous frontière, mon ami va lâcher bien. Moi, je ne vais pas un courant, ni un sapé, ni un anamé, je dis, ah, bah, je vais bien sous l'eau. Je dis, non, c'est l'autre boy à lâcher. Il dit, il n'y a pas un problème, il y a un problème avec eux certaines fois. Même gens, quand ils sont frontières, ethnicité, pendant que. En gros, habitants frontaliers ont convivialité à mon nom, mais ce n'est pas le cas pour les autorités qui représentaient l'ordre dominicain, et l'ordre dominicain, c'est l'ordre raciste, c'est l'ordre touriste, c'est l'ordre balaguériste, c'est l'ordre. Comment est-ce que vous voyez, c'est l'ordre. Abinaderiste, qui vit mal encore, et qui lui-même a essayé de diviser le peuple. Parce que les gens ont entremêlé, voisinage, commérage, etc., ménage, amis, tout ça. Et voilà, c'est là que nous commençons la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier d'abonner ensemble avec la chaîne là, si vous faire ça. Et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne là. Et pas oublier de liker la vidéo pour pouvoir toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croisons dans la prochaine vidéo. Ciao!